Allons donc dans la province du Haut-Togo, où le nouveau maire a donc été élu par 63 voix et un bulletin nul. Joachim Lekogo succède donc à Roger Ayuma. Jacob Mukwangi pour plus d'explications. 57 présences, 7 procurations, 3 absents. Quorum très largement atteint pour le vote du successeur de Roger Ayuma. Joachim Lekogo, 61 ans, c'est de lui qu'il s'est agi, a été élu par ses pairs conseillers, 63 voix pour et un bulletin nul. Norbert Mouyabi prend les commandes de premier adjoint, Jules Ferry deuxième, Jean-Claude Sengé troisième, Abouna Mavi Larosa quatrième, un quintet gagnant dans l'ordre et qui pourrait bien profiter à la population au regard des ambitions clairement affichées par le nouveau bureau du Conseil. C'est un challenge. Le premier grand chantier, c'est le problème de la voirie. Il faut s'attaquer à la voirie pour que les uns et les autres se trouvent un meilleur vivre dans la cité de Franceville. Mais on fera participer tout le monde aux décisions. Il y a d'abord un problème de pédagogie. Je pense qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils adhèrent à la vision que nous voudrions imprégner à la cité. Représentant la tutelle, le gouverneur Eloane Zondo, lui non plus, n'a pas tari de conseils à l'endroit des nouveaux élus. Je vous exhorte très fraternellement de changer de paradigme, d'opérer une véritable catharsis dans votre façon de voir et de faire enfin de tirer vers le haut, vers la prospérité, notre chère capitale provinciale française. Conformément à la vision de l'émergence prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo. L'équipe Joachim Lekogo est la 10e après Philippe André Mbunza, Apolline Ndoumba, Ludovic Yumou, Jean-Jacques Lendoy, Ismaël Abouna, Marcel Sandungu, Maurice Ndiba, Jean-Pierre Domeni et Roger Ayuma. Ce depuis l'érection de Franceville en commune de plein exercice le 2 mars 1972. Cette session spéciale a eu le mérite de se tenir dans une ambiance bon enfant, la discipline au PDG étant l'apanage du bon militant.